comme c'est beau! Je me demande où nous sommes. Ça doit être nos friandises. T'as raison! J'ai des fraises! Waouh, elles sont si mûres! C'est sûr, t'as de la chance. J'ouvre l'assiette maintenant. Quelle jolie sucette! Attends une seconde, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça ressemble à un énorme cafard. Alors tu ferais mieux de commencer avec tes fraises. Ça me dérange pas du tout. Ah, je peux aussi goûter, s'il te plaît? J'espère qu'Emma ne remarque rien. Oh, non, oui, mais j'ai remarqué, moi. Va-moi, mamé. Non, moi aussi, je veux goûter la fraise. Quoi? Oh non, tout ce qui me reste, c'est une feuille. Eh bien, fais pour toi. C'est mamé, et je vais la manger. Comme ça a l'air délicieux, je vais en prendre après tout. Je vais juste en prendre un peu. Pourquoi mon assiette est vide? Où sont toutes les baies? Miranda, t'as fait ça? Non! Ne le nie pas! Pour ta revanche! Ouvre ta bouche! Mais je veux pas! Tu devras le faire! Comme t'es cruelle, Emma! Oh, c'est dégoûtant! Regardez, t'as tout mangé! Il y avait un cafard là-dedans! Oh non, je l'ai complètement oublié. C'est dans ma bouche. C'est dégoûtant. Je pense qu'il est vivant. Non, mais il court vers moi. Que faire? Tiens, prends ça, c'est pour toi. J'ai dit, ne t'approche pas. Emma, t'as des problèmes. Étrangement, mais il n'y a rien. Il est là. Pourquoi tu l'as planté? Elle va nous tomber dessus. Il semble que c'est clair. Non, mais arrête, ne saute pas aux conclusions, le cafard est juste sur ta tête. Oh non, pas ça! Je vais te sauver, Emma, tiens bon, j'ai une énorme chaussure. Ah, ça fait mal! Merci pour ton aide, Miranda. On dirait que mon plan n'a pas fonctionné. Waouh, une nouvelle nourriture. Presque pour que j'ouvre en première. Oh quoi, une petite toilette, ça a l'air cool. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais trouver quelque chose, mais d'abord, enlève le couvercle de ton plat. C'est beaucoup d'yeux de marmelade, super! Waouh, t'as tiré ton billet de chance! Il est temps de prendre un bon réfléchissement. Par où commencer? Je pense que je vais commencer par cet œil. Et qu'est-ce que tu fais, Emma? Arrête de faire des bêtises. Oh, allez! Ne sois pas emboulé. C'est génial! Comme c'est délicieux! Je veux continuer! Le deuxième œil est le suivant. Il est si doux. J'adore. Je suis définitivement inarrêtable. Peut-être que tu veux partager avec moi? Pas du tout. Je n'ai à peine pensé à c'est moi-même. T'es si drôle, Emma. Ta bouche est pleine d'yeux. Et ce n'est pas la limite. Oups, on dirait que j'en ai oublié un peu. Si t'as fini, je suis prête à regarder ce que t'as. Waouh, je vois deux sucettes. C'est une sacrée prise. Tu peux être plus attention. Oui, je vois que t'aimes bien ta sucette. Qu'est-ce que tu fais, Emma? C'est ma sucette. Je voulais juste enlever l'emballage pour que tu puisses le manger tout de suite. N'essaie pas de me tromper, je sais que tu ne l'es pas. Tu m'as fait complètement oublier des toilettes. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du fil. Waouh, qu'est-ce que c'est? Nous devons bientôt tremper notre sucette dedans. Ça a l'air délicieux. Je suis sûre que c'est devenu délicieux. Oh oui. Le caramel sucré, le fils acidulé vont très bien ensemble. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir tout mangé. Je dois essayer ça tout de suite. T'es encore en train de le faire, Emma? Qu'est-ce que tu fais, Miranda? Arrête de me frapper. Désolée, je ne voulais pas. Oh, je ne meurs de tout ça. Je ne veux pas te laisser t'en tirer comme ça. Perdante. Je vais ouvrir le plat en première. Merci, je savais que ça ne te dérangerait pas. Oh, le Fanta au bais, c'est génial. Allez, ouvre. Oh non, j'ai cassé un ongle. Pauvre petite chose, laisse-moi t'aider. Je suis très expérimentée pour ouvrir le Fanta. Tu vois, tout s'est arrangé. Ça sent vraiment bon. Cela me donne envie de l'essayer moi-même. Pas du tout. Donne-le-moi, c'est mon Fanta. Le parfum est vraiment génial. Je suis sûre que le goût est encore meilleur. Oh oui, c'est génial. Tu aurais pu partager avec moi. En guise de remerciement. Mais si tu veux pas le faire, je le prendrai moi-même. Cool. Comme c'est rafraîchissant.
D'oublier cette paille. Et moi, tu le fais encore une fois. C'est bizarre, pourquoi le fantôme ne coule-t-il pas? Ah, Miranda, salut! Ah, j'en ai tellement marre de toi. J'espère que le fantôme aidera à me changer des idées. Oh, je suis désolée. Mais c'était bon. Ta canette a volé un plan dans ma tête. Arrête de bouder et ouvre ton couvercle. Il n'y a pas d'assiette, juste un bouton rouge. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que je suis censée faire avec? Je sais pas, essaye peut-être d'y appuyer. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je travaille avec des armes chimiques. J'ai quelque chose pour vous. Pour moi? Mais j'en ai besoin de rien. Malheureusement, ce n'est pas à toi de décider. S'il vous plaît, je vais prendre le bouton. Ah oui, j'ai presque oublié. C'est maintenant une zone à forte radiation. Miranda, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Au revoir. C'est le bonbon le plus acide qui soit. Quel cauchemar! Je ne suis pas sûre que je pourrais le manger. Ça a l'air effrayant. Qu'est-ce que tu fais? C'est génial. Tu dois éprouver de nouvelles sensations. Cool. On dirait que j'ai peur pour rien. Que dirais-tu d'une feuille indice pour moi? Je suis désolée, mais je ne refuserai pas une recharge pour moi. C'est tellement aigre. Mais j'aime bien ça. T'as l'air un peu rude dans le vrai sens du terme. Oui. Je vais essayer. J'ai besoin de faire l'expérience moi-même. C'est vraiment aussi de cool. Oh, où sont passés mes bons? Miranda, je t'ai dit que je mangerais moi-même. Rends-les-moi, non, la canette est vide. J'ai tellement aimé que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et maintenant, je le regrette. J'ai besoin d'une couverture. Non, mais c'est très acide. Oh, je me suis cachée à temps. 1, 2, 3, tu commences. Waouh, des bonbons Poppy, t'es une série en 2-0. Je suis contente, je compte sur ma chance. Génial, ça a l'air cool. Voyons ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un petit cercueil. Ça me fait flipper. J'ai peur de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Laisse-moi commencer. Je suis sûre que c'est délicieux. Je n'ai pas le droit de renverser. Ouais, c'est du sirop. Et maintenant, je vais ouvrir le pop candy. Je suis sûre que j'aimerais tout autant. Quel éclat brillant, incroyable. Et ma arrête de vous retourner dans les affaires des autres. C'est ma nourriture, je l'obtiens. Waouh, de vrais feux d'artifice dans la bouche. C'est génial, je ne veux pas te dire ce que ça fait. Je veux plus, c'est quoi mon feu d'artifice qui explose dans ma tête? Waouh, c'est un effet très inattendu. Regarde ça, Emma. Je pense qu'il est temps de te mettre dehors. Tiens bon, Miranda. J'espère que le sirop t'aidera. Merci beaucoup, Emma. T'es arrivée juste à temps. Maintenant, c'est à ton tour de la boire. Je rêvais que tu me l'aies pas rappelé. J'ai peur d'ouvrir la boîte. Il y a de la vapeur qui sort. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Essaie de regarder de plus près. On dirait que c'est des nachos. Ouvrez-moi. Je suis désolée pour toi. Quel cauchemar! C'est très épicé, ma langue est un peu! Mais tu dois tout manger et pas lécher. Je n'ai pas le choix. Quelque chose est sur le point de se produire. Du feu, j'ai déjà un feu! Aidez-moi, Miranda! Oh non, pas ça! Ne regarde pas dans ma direction! Oh non, mais laissez-moi, arrêtez-moi! Oh, je crois que je suis de retour. Maman, c'est une bonne nouvelle. Miranda, t'es où? Je suis là. Non, mais tu m'as mis à terre. Tu n'as pas l'air très bien. Toi non plus. Tu dois faire tourner la roue en première. Quelle chance pour moi. J'adore les saucisses. C'est trop cool que j'en ai une. Une énorme saucisse, pour être exact. J'adore. Et maintenant, je dois découvrir lequel de ces délicieux produits je vais recevoir. Oh non, je voulais une friandise savoureuse et pas un affreux cafard. Il n'est peut-être pas trop tard pour tout réjouer. Non, je le permettrai pas. C'est que je mange ces trucs dégoûtants. Je veux dire, il pue et il rampe. Non, je ne le ferai pas. J'ai très peur de comme ça. Si tu ne veux pas le faire de la manière facile, tu devrais le faire de la manière difficile. Non, je préfère manger des cafards. Quoique, ça va pas du tout avec ma délicieuse pizza. Ah, ils ont attaqué maman! Non, je n'ai pas signé pour ça. Non, je l'ai.
Qu'est-ce que t'attends? Il est temps que t'aies une saucisse aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que je fais un hot dog avec de la pizza. Avec une délicieuse garniture à la saucisse. Regarde comme c'est bon. Génial. La saucisse complète parfaitement le goût de la pizza. C'est tellement plus savoureux que les hot dogs ordinaires. Je les aime au fort à prendre une bouchée de ton délice. Je serais certainement ravie de le faire. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a donné la permission de toucher ma saucisse et ma pizza? Rends-moi mon hot dog! Non, t'as pas honte de toi. Vas-y, mange tes cafards, toi. Je ne veux pas. Il y en a tellement. Ils veulent évidemment manger ma pizza. Wow! Il y en a vraiment beaucoup. Sortez tous! Laissez au moins manger une bouchée de pizza. Mon Dieu, ils m'ont à peine laissé quelque chose. Et c'est encore plus pratique. Elle vient de manger un cafard! Quel cauchemar! Je crois qu'il y a quelque chose dans ma bouche. Oh non, sors d'ici! La bouche de Mila est maintenant un royaume de cafards. Est-ce que je peux être la première à tourner cette fois-ci? Je me demande ce qui va me tomber dessus dans ce tour. Oh non! Pas les verres! Je me contenterai de chewing-gum, pas de verre. Oui, Baboba, j'adore! Génial! Maintenant, c'est à mon tour de faire tourner la roue. Quoi? Ce n'est pas juste. Pourquoi certaines personnes ont-elles des chewing-gums et d'autres pattes de poulet? Ce sont dégoûtants, les dégoûtants. Oui, je ne t'envie pas. Tu ferais mieux de les manger rapidement. Ah oui? Qu'est-ce que j'attends, moi? Il est temps de mettre ces chewing-gums sur la pizza pour qu'elle soit belle et savoureuse. Ils sont lumineux et longs. Bingo! Alors la pizza brillera certainement avec eux. Tada! Alors, je pense que c'est génial. Oui, ça a l'air super. Pas comme les pâtes de poulet. Au fait, j'ai une super idée. Mila va adorer cette farce que j'ai inventée pour elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est trop! J'aurais aimé que tu mettes tes pattes sur une pizza plutôt que dans mon visage. Tu serais plus productif. Pourquoi je suis punie de la sorte? Je pourrais apprécier le goût de la pizza, mais je dois m'étouffer avec les pattes de poulet. Alors, Julie, t'aimes bien? La pizza est-elle bonne? Et tu te moques de moi? Mange ta pizza! Oh, bien sûr! Pourquoi pas manger une bonne pizza? Ouais, comme c'est cool! Je pensais pas que le chewing-gum et la pizza ensemble formeraient quelque chose d'irréel. C'est tellement bon que je ne veux pas m'arrêter. Je pense pas avoir mangé une meilleure pizza depuis longtemps. Je pense qu'il est temps de faire une énorme bulle de chewing-gum. Waouh! C'est très grand! Plus la bulle est grosse, plus le boom est grand! Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Je peux rien voir à cause de ça! C'est ma chance de me débarrasser de tous ces pâtes de poulet. Manger une pizza sans œufs a tellement meilleur goût. Julie, tu crois que je n'ai rien vu? Eh non, j'ai tout vu. Pour ta tromperie, tu devrais affronter la roue de la punition. Oh non, j'espère que j'obtiendrai quelque chose qui ne soit pas criant. Ouais, la pluie est même agréable. Et s'il pleuvait des pâtes de poulet? Oh non! Aidez-moi! Je reçois une vague de ces méchantes pattes! Je l'étais si drôle! Ok! Voyons voir quel friandise m'attend cette fois-ci. Oh oui! C'est ce que j'appelle de la chance! Elle est temps d'avoir des yeux de marmelade! Non seulement tu peux les manger, mais tu peux aussi jouer avec eux! Regarde-moi là! J'ai des yeux sur mes doigts! Bon, ça suffit de rire, il est temps d'essayer les yeux. Non. Comment s'aider? Oui, je suis sûre que la pizza sera incroyable. Moi aussi, je voulais du miam. Mais pas du poulpe! Non. Quel cauchemar, ils sont si petits, gluants et grossiers.
Je ne peux pas imaginer à quel point la pizza serait horrible. Imagine que ce serait très désagréable. Je pense que tu ne le manquerais pas. Oui, ça a même l'air horrible. Je t'en vis pas. Moi, par contre, je suis sûre que la pizza aux yeux de gelée sera délicieuse. Cela a même l'air amusant et satisfaisant. Génial. Comme c'est bon. Je ne peux pas m'arrêter. Oh, je ne dirais pas non à la marmelade non plus. Personne ne dirait. Oui, je m'envie à moi-même. Maintenant, mes yeux sortent même de ma bouche. Jolie, t'es comme toujours. J'ai juste de très bonne humeur. Mais là, pourquoi ne manges-tu pas? J'espérais que tu ne te souviendrais pas de moi. Je n'ai vraiment pas envie d'essayer ce poulpe. J'espère qu'ils ne vont pas se coller à moi de l'intérieur. Pauvre Mila, c'est vraiment dégoûtant pour moi. Oui, bien sûr, ce sont des pieuvres. Ils se collent directement à la langue. Jolie, tu penses que c'est drôle? Ce n'est pas Lucas. Ce n'est pas drôle du tout. Oh, qu'est-ce que c'était? Comment tu oses? Et tu réalises maintenant que ces pieuvres ne sont pas drôles du tout. Tu n'aurais pas dû faire ça. Attends. Je vais t'imposer pizza dans ta bouche. Tout le truc. Alors tu ne pourras pas échapper à toutes ces pieuvres. Prends ça. C'est cruel. Jolie, vraiment, c'est horrible. Mais non, je suis juste équitable. Ah, bon appétit. Mais c'est donc pierre, papier, ciseaux qui va commencer. J'ai gagné. Oh oui, des frites, j'adore ça. Et t'aimes les cafards? Et tu les auras. Jolie, tu sais que tricher n'est pas bon. Remets la roue comme elle était avant. Ou tu devrais recourir à la roue de la punition. Très bien, alors. Et voici mes frites. Il y en a tellement. Ils sentent si bon. J'ai hâte de les manger. Jolie, c'est à mon tour de faire tourner la roue. C'est vrai. J'espère qu'ils ne seraient pas aussi délicieux. Du moment que c'est savoureux. Du moment que c'est savoureux. Non. Tout sauf de l'ail. Ça pue tellement. C'est bizarre. Il n'y a pas d'ail pour une raison quelconque. Alors, je n'aurais pas besoin de manger. Regarde de plus près. Oui, il y a vraiment une odeur qui vient de quelque part. Pourquoi tu mets ce truc sur moi? Horrible. Bon, je dois d'abord éplucher l'ail. J'ai même une boîte spéciale pour ça. Il faut tout mettre dedans. Et en 2 secondes, l'ail se transforme en l'ail épluché. C'est fait. Et cela peut faire un très joli motif sur une pizza. Comme un cœur. Oui, excellente idée. Et je vais utiliser des frites pour transmettre mon émotion. La joie, c'est pour dessiner un joli visage souriant. Un visage souriant est bien mieux qu'un cœur. Et voici un autre, tu viens de répéter après moi. Rien ne peut plus battre mon cœur d'ail. Oui, oui. Maintenant, tu dois manger ce cœur. Oh non, comment je vais le manger? Le cœur est si beau. T'es toujours en train de relâcher. À l'heure de la roue de la punition. Oh non, je n'ai pas de chance du tout. Je vais pas seulement devoir manger de la pizza à l'ail. Je vais devoir en faire un smoothie dans un mixeur. Nous avons un mixeur, alors t'as beaucoup de chance. Je me demande même ce qui en sortira. Quelque chose de très méchant, je pense. C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Vas-y. Si je vomis, ce sera la faute de Mila. Et ce genre de mélange me fera définitivement vomir. Oui, oui. C'est vrai que ça a l'air dégoûtant. C'est comme une poubelle dans ma bouche. Je ne tiendrai pas longtemps avec ce parfum. Oh, mais cela ne veut pas dire que je dois le sentir. Retenez-moi, je vais tomber. Oh non, là, il y a même ruiné Mila. Quelle horreur. Je suis là, je vais bien. Oh, les bruits ont même fini sur mon visage. C'est cool.
Challenge! Monica fait tourner la roue en première. Non! Je ne veux pas de cactus! Je ne serai pas contre un peu de crème cependant! Tu ne peux pas faire ça! Un cactus, c'est un cactus! Pas de chance pour toi! Mais t'inquiète pas, ça signifie que j'aurai de la chance moi! Et tu seras heureuse pour moi! On verra ça! Bon, je te l'avais dit! Rien n'a meilleur goût qu'un chewing-gum de Babouba! Surtout quand il y a tout à honte! J'ai hâte de le sortir de leur boîte et de les couler sur le gâteau! Je pense que ce sera quelque chose de très très bon! Awesome! Jusqu'à présent, je reçois le gâteau le plus coloré que j'ai jamais vu! Mais il y en a d'autres à venir! Et je peux faire un cœur avec les restes de chewing-gum pour rendre mon gâteau encore plus joli! C'est beau ça! Monica, t'aimes bien? Je pense que c'est très mignon! Il est temps de l'essayer! Oh oui! C'est incroyablement bon! C'est le genre de gâteau que je veux manger d'un seul coup! Je peux au moins essayer le cœur! Non! Je veux aussi le manger moi-même! Tu veux voir la plus grande bulle de ta vie? Tu ne voulais pas partager avec moi? Elle ne veut pas voir ta bulle! Comment ça? Oh, comment tu oses? Mon visage est tout coulant maintenant! Arrête de rire! Tu ferais mieux de manger ton gâteau de cactus! Et comment je disais, c'est le manger! Le cactus est si piquant! C'est vrai! Si tu te débarrasses des aiguilles, le cactus ne causera pas non plus des graves problèmes! Mais les coupes ongles ne suffiront pas! Et celles-ci sont trop grandes! Je pense que les parties comme ça seraient parfaites! Oh, c'est ennuyeux, ça! Et c'est fait! Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Frotter un cactus sur mon gâteau. Oh, je suis là! Oh, regarde ce que j'ai inventé! C'est très mignon, ça! Assez parlé, c'est l'heure de manger! J'espère qu'il a aussi bon goût qu'il en a l'air. Oh non! Non, c'est quoi manger un gâteau parfumé à l'herbe? Dégueulasse! Bon appétit! Je vais d'abord faire tourner là-haut. Oh, vous manquez de moi? Oh, je déteste les moules. Pourquoi je suis si malchanceuse? Parce que je suis la chanceuse. Et j'ai la crème fouettée! Je suis en train de le verser sur le gâteau pour le rendre encore plus savoureux qu'il ne l'est déjà. La clé est de bien le fouetter. C'est fait? Maintenant, tu peux le manger. Père Noël, qu'est-ce que tu fais ici? Le réveillon du nouvel an est encore loin. Pedro, et je suis jalouse de moi. J'ai un tout autre gâteau à rosé de crème sucrée. Je ne serai pas contre l'un d'entre eux. Il y a un gâteau qui t'attend aussi, vraiment, avec des moules. Ils sont si dégoûtants. Ah, si raide. Eh bien, j'ai perdu une dent à cause de... Je ne les toucherai plus jamais après ça. Je ne sais pas du tout comment les bien manger. T'as pas besoin de manger des coquillages. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Regarde. Et maintenant, c'est exactement ce que tu dois mettre sur ton gâteau. Horrible, je dois manger tout ça, bien sûr. Gross. Non, mais comment je peux faire ça? Comment je peux ruiner un gâteau si délicieux? Je veux vomir rien qu'en le regardant. Et je suis sur le point de vraiment vomir. Waouh! Oh, une énorme perle. Non, arrête, tu dis. C'est moi qui ai ouvert les moules, alors c'est à moi. Donne-moi ça, c'est à moi. La perle est à moi. Oh non. Ah, c'est où, là? Il faut la trouver.
Pourquoi toi? Elle est à moi. Non, mais il n'y a rien. Vraiment rien. C'est vide. Apparemment, on nous a rampé dans les moules et le gâteau pour rien. Cette fois-ci, c'est à mon tour de faire tourner la voix en première. Non, c'est à moi. Oui, je rêvais d'avoir quelque chose comme ça. Et bon, on jouait le gâteau avec de nouvelles saveurs. Et ça fait des tresses amusantes. C'est pas vraiment drôle. Voyons ce que j'aurai moi. Cette fois-ci, je vais prendre beaucoup de nouilles. Oui. Et tu vas décorer le gâteau avec ça. Qu'est-ce que t'attends? Ok. Bon. Je n'aurai rien à faire. C'est fait. Je n'ai jamais goûté une combinaison de saveurs aussi étrange auparavant. Oh non! Oui. C'est horrible. Quel croustillon dégoûtant. Nous devons bientôt nous boucher les oreilles. Bingo. J'ai une idée. Si je verse de l'eau bouillante sur mon gâteau, les noeuds seront beaucoup plus souples et plus jolies. Wow, magnifique. Maintenant, j'ai un bon plan à manger pour le déjeuner. J'aime bien. Donc, Monica s'étouffe avec les nouilles qui est collée au gâteau. J'avais décoré mon gâteau avec des marshmallows. Awesome! Wow, je comprends. Could you please... Hey. Monica n'aurait même pas. T'as dit que t'allais déjeuner, alors prends tout le déjeuner. Je pense que Suzy ne sert à pas penser si j'en prends un peu une presse. Ne sois pas indigne. Hé, arrête! Aïe! Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais n'importe quoi! J'ai été blessée! C'était tellement drôle! Vas-y, décidons sur pierre, papier, ciseaux! Oui, j'ai gagné! Du piment? Non, Monica, tu m'as contaminée avec de la malchance! Quelle horreur! J'espère que j'aurai de la chance au moins cette fois-ci. Oh oui. Enfin! Je suis tellement heureuse! J'ai mangé mon gâteau! Oh, j'ai hâte de le décorer avec ses délicieux yeux de marmelade! Oui! Il faut tout sortir sur le gâteau! Génial! Awesome! Wow! Oui! Ça va être très très bon! Non, Suzy! Je ne vais pas te nourrir. Je préférerais manger tout ça. Ouais. Oh oui, c'est délicieux ça. Monica, tu crois que je ne peux pas avoir un moins un oeil? Oh oui, Radine. Oh, depuis combien de temps j'attends cela? J'ai enfin mangé mon gâteau. Oh, quelle vitesse! C'est le dernier œil de marmelade que j'ai mangé d'une manière inhabituelle. Ah, ça n'a pas marché du tout. Mais je vais le faire. Oh, c'est vraiment bon, ça. Voleuse, il est temps pour toi de manger tes piments. Oh, j'ai même peur de les regarder. J'espère que je ne vais pas brûler de l'intérieur. Je vais t'aider, moi. Voilà le couteau. Et dépêche-toi de couper ce monstre. Eh bien, c'est parti. Oh, j'ai pris une seule bouchée. Mais je peux déjà sentir le feu se répandre tout de suite. Oh, ce n'est pas suffisant, le gâteau doit être terminé. Je ne savais pas que t'étais si cruel. Oh non. Oh, le feu c'est trop. C'est le moment de sauver Suzy. Oh, c'est beaucoup plus facile. Merci, Monica. Oh, comment est-ce ma bébé? C'est quoi? J'espère que c'est quelque chose de délicieux. Ah oui, c'est une bombe. Descends, ça va exploser. Ça a l'air cassé. Quelque chose de l'autre. Oui, j'ai compris. C'est une bombe sucrée. Oui, c'est tellement bon. Une saveur vraiment explosive. Wow.
Tu ne vas pas t'arrêter. Je vais encore et encore. Tu devrais pouvoir l'essayer aussi. Pas question, c'est tout à moi. Oh wow, t'as tout mangé si vite. Il reste une dernière pièce. C'est la première fois que je mange un chronomètre. C'est vraiment bon. Tout le monde devrait l'essayer. Attends, c'est quoi ce bruit? T'entends? Oh non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une vraie bombe. Une vraie. Oh, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, j'ai entendu quelqu'un ici demander de l'aide. T'inquiète pas, je vais te sauver. J'ai un ruban spécial. Voilà, vous êtes en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande combien de temps avant qu'il n'explose. Ce n'est pas clair, nous devons nous dépêcher. Oh, allez. Quelqu'un sait comment utiliser ces boutons? Oh, je crois que j'ai tout gâché. Mon travail est terminé. Oh, wow, c'est tellement haut. Marie, que faisons-nous avec la bombe? Ne panique pas, j'ai un plan. Juste ce dont nous avons besoin. Marie, cela ne va pas t'aider. D'accord, et ce poulet? Non, bien sûr que non. Tu n'es pas du genre à te faire plaisir. Mais t'en penses quoi de ça? Non, ça vite. Bon, c'est annulé avec toi. Oh, j'ai trouvé. Ça devrait le faire pour toi. Oh, je vais juste prendre le fil. C'est une excellente idée. Wow, il y a tellement de fil. Qu'est-ce que tu veux couper? Je pense que le bleu. Marie, s'il te plaît, devine. Oui, c'est fait. Nous sommes sauvés. Oh non, le temps est passé encore plus vite. Oh, ouch. Oh non, je suis couvert de chocolat. Oh, c'est cool. Mais quel d'entre nous mange le plus de chocolat? Je vais gagner. Ah, un de plus. Je ne veux pas me loigner de toi. Ah ah, l'égalité, c'était génial. Oh non! Wow, je suis si heureuse! C'est le nouvel iPhone! Moi aussi, c'est le meilleur cadeau qui soit! Nous avons deux iPhones identiques! Je sais pas! Allez, je vais aller voir! Wow, c'est si confortable dans la main! Il y a aussi beaucoup d'applications! Seulement, pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Il y a quelque chose qui ne va pas! Wow, c'est un iPhone en chocolat! Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Wow. Oh, c'était délicieux. Wow, si t'as un chocolat, alors j'en ai un vrai. Génial, il est temps de prendre des selfies. Oui, bonne idée. Souris. Bah attends, tu gâches la photo. C'est beaucoup mieux. Eh bien, tiens bon, ma vengeance sera brutale. Oulala, c'est si mignon. Arrête. Oh non, mon iPhone. Bien fait pour toi. C'est donc toi qui m'as fait peur. Oups, c'est moi ou mon iPhone en chocolat? J'aimerais qu'il aille bien. Oh non, mon ton nouveau téléphone. Pourquoi je ne pourrais pas prendre de superbes selfies? Oh, j'ai une idée. Oh, qu'est-ce que tu veux? Changeons nos téléphones. Oh, vas-y, allez. Donne-moi le tien et tu prends le mien. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est cassé. Chelsea, tu m'as trompé. Quoi? Elle mange aussi mon iPhone en chocolat. Oh, le roi. C'était pas l'échange pour lequel j'ai signé. Il ne reste qu'un petit morceau. Wow, un chargeur de chocolat. Je doute que sous la tête, mais ça vaut le coup d'essayer. Wow, je peux manger cet iPhone maintenant, tout de suite, n'est-ce pas? Wow, quelle chance pour Marie. La jalousie en silence. Peut-être que je peux réparer mon iPhone. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, commençons. Oh, allez, aidez-moi. C'était une très mauvaise idée. Oh, une sacrée coiffure que t'as. C'est drôle. Moi d'abord. Ma surprise préférée de la maternelle. Il y en a aussi tellement. Génial, j'en ai aussi. Six d'entre eux. Quoi? Quoi? T'en as aussi? Qui a les chocolats et qui a les vrais? Je sais pas. J'ai commencé alors. Je crois que je nettoie ça rapidement parce que j'ai hâte de les essayer. Du chocolat au lait, j'adore. Il y a aussi des M&M's, c'est un bonbon à l'intérieur. C'est deux fois plus bon. Wow! Oh, j'en veux aussi. C'est vrai. J'ai ma propre surprise Kinder. L'heure est si douce. Oh, c'est un vrai œuf.
Bien fait pour toi. Ce n'est pas juste. J'espère que le prochain œuf ne sera pas comme ça. C'est tellement effrayant d'essayer. Oh non, il y a un œuf ici aussi. Ça a l'air horrible. C'est le pire tour de tous les temps. Mais j'aime bien, parce qu'un Kinder Surprise est la meilleure chose délicieuse du monde. C'est du chocolat sucré et il y a toujours une surprise qui attend à l'intérieur. Wow, des boules de chocolat. J'adore. Mais j'ai aussi envie de manger un vrai Kinder Surprise. Chelsea, laisse-moi en essayer, s'il te plaît. Non, comment tu peux donner une Kinder Surprise à quelqu'un? C'est juste à moi. Chelsea, t'es si gourmande que je ne sais pas quoi faire. Ah, je sais. Je vais jouer un tour à Chelsea. Peut-être qu'elle réalisera que tu dois manger avec tes amis. Prépare-toi. Quoi manger? Vas-y. C'est ce qu'il faut. Arrête, c'est quoi ce goût désagréable? Ça ne t'a pas plu? Ah, tu l'as mis en place. Tiens, bon, prends ça. Oh non! Mon bidon! C'est sale! Ta farce a été un échec. Oh, c'est dégoûtant! Tu dois manger toutes les surprises de Kinder. Non, pas ça! Oh, je suppose que je dois le faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Organisons un barbecue. Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Nous prenons un œuf. Oups! Un œuf et en cassons la poêle. Et ça fait avec tous les œufs. Et puis tiens, le brouillé savoureux. Ça a l'air délicieux. Marie, je peux en essayer? Non, ces œufs sont juste pour moi. Eh bien, une astuce de cuisine dangereuse. Wow! Oh, c'est tellement beau. Une idée. Oui, prends ça. Non! C'est mieux sur toi. Mes œufs sont fichus. Je n'y cuisinerai plus. J'ai mimé. Wow! Un set de McDo superbe. Attends, moi. Oh, moi aussi. Je l'essaie d'abord. Le coca est un excellent désaltérant. Quoi? Comment cela est-il arrivé? Oh, je l'ai eu. J'ai du coca au chocolat. C'est vrai. J'adore le chocolat. Wow, génial. Wow, c'est machine à fabriquer des bonbons. Wow, le coca au chocolat et les M&M's aux bonbons sont la combinaison parfaite. Moi, je veux aussi. Essayons. Ah! Aidez-moi, je suis toute mouillée. Non! Alors, comment se passe cette douche à la coca? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Oups! C'est dommage que tu n'aies plus le coca. Je me demande si les frites sont aussi des frites au chocolat. Oui, un vrai délice. Des frites aux pépites au chocolat. Personne d'autre n'a jamais goûté ça. Je vais manger tout en même temps. C'est délicieux. Tu pourrais les manger pour toujours. Wow, même la boîte est comestible. Tu ne plaisantes pas? Tu te moques de moi? Oh, ce n'est pas comestible. Oh, je n'ai plus de frites et plus de coca. Ça te sent pas mal, c'est parti. Wow, merci beaucoup. C'est vraiment délicieux. Nous demande ce qui nous attend. Des cuisses de poulet? Génial, j'adore. Il ne faut pas oublier d'ajouter la sauce. Ça aura tellement mieux au goût avec. Non, je pense pas. Quel délicieux maïs. Il n'y a vraiment pas de piège. Je pense que c'est aussi dans mon soda. Regardez ce que j'ai. C'est là que tu commences. Ça me dérange pas. C'est bizarre, pourquoi mon soda ne coule-t-il pas? Ça n'a pas l'air d'être liquide. Qu'est-ce que je suis censée faire? Waouh, c'est de la gelée. Je me suis frappée le fond. Tiens-toi bien, John. Il y a encore partage tes goodies avec nous. Je suis d'accord avec Miranda. Ne t'approche pas de moi. Je ne veux donner rien du tout. T'es tellement grossier. On va te les rappeler. Eh bien, vous êtes les bienvenus.
j'ai fini. C'était pas difficile. T'as un grand appétit. En fait, c'est le tour d'Emma. Je voudrais pas goûter cette sauce piquante. Je ferais semblant de le verser sur le poulet. Mais elle ne le goûterait pas. Non. Et pas question, ça ne va pas marcher avec nous. Vas-y, Emma. Mon Dieu, cette sauce dégage de la vapeur. Moi, je parie que c'est très épicé. Waouh, regardez ça. Non, la cuisse s'est évasée pendant un moment. C'est trop difficile pour moi. Je vais juste imaginer comme c'était du poulet normal. Oh non, je suis en train de brûler. Emma, mon tour tourne, pas comme tout le monde. Waouh, qu'est-ce que c'est? Je pense que mon maïs est correctement grillé. Ça transforme en pop-corn. Vas-y doucement, Emma, tout est sous contrôle. Oh, oui, merci, Johnny. Wow, j'ai brûlé les cuisses de poulet jusqu'à la braise. Au moins, j'ai du pop-corn. Il faut avoir du côté positif à tout. C'est tellement croustillant, c'est génial. Awesome. Nous voulons aussi l'essayer. Non. Eh oui. Enlevez vos membres. Je n'ai pas l'intention de partager. Regarde, John. Les oreilles de Miranda sont devenues jaunes. Pourquoi me regarder comme ça? En fait, vos oreilles sont aussi changées de couleur. Quelle surprise! Le couvre-ce qui nous attend cette fois-ci. Le chewing-gum au bec rouge et une belle surprise. Comme c'est bon! Le chewing-gum est petit et ma pastèque est énorme. Je vois que vous avez de la chance, les gars. Vous ne pouvez pas dire ça de moi. Et un voilà un petit de verre vivant dedans. Bon appétit, Miranda. Ouvre ta bouche. Mange ça maintenant. Je ne mange pas de verre vivant. Tu n'as pas le choix. Alors, je vous propose de vous dépêcher. Merci. Les conseils ne sont pas susceptibles de m'aider, mais ça ne me fait pas du tout sentir mieux. Oh, c'est quelque chose de délicieux. Non, c'est dégoûtant. L'imagination ne fonctionne pas du tout. Hey, tu peux pas abandonner à mi-chemin. Tu dois aller jusqu'au bout. Voilà, un autre conseil stupide. John, tu ne m'aides pas, tu gâches tout. Ces verres bougent dans ma bouche. Je ne peux pas le supporter. Oh, comment tu fais cela? C'est fou. Mais j'ai peur de me souvenir de ce cauchemar pour le reste de ma vie. Je n'ai jamais mangé quelque chose comme ça. Oh non, les verres sont coincés dans ma gorge. Je ne peux pas respirer. Tu n'aurais pas dû les cracher en blanc de mon visage. Désolé, c'est sorti par accident. Considérons que c'est ma façon de tourner le confinement. Bon, j'utilisais déjà la pastèque en deux. Maintenant, je peux la manger. Oh. Cette odeur me rappelle l'été. Je déteste te le dire, John, mais le rouge est ma couleur. Et c'est là que la pulpe de pastèque. Alors, je vais manger tout ça. Et vas-y, mange des croûtes vertes. Ce n'est pas juste, car j'ai eu la pastèque. La vie n'est pas juste du tout. Réponds-toi. Tiens, reprends les croûtes. Je les ai libérées du tout. C'est le bienvenu. Et en fait, je ne veux pas ça d'ailleurs. Je ne veux plus rien voir avec toi. Non, mais ces croûtes sont tellement amères. Bon, c'est ton choix. Je n'insiste sur rien. Oh, les gars, vous êtes si drôles. Je vais éclater de rire. Bon, en fait, vous m'avez presque fait oublier mon chewing-gum. Ah, c'est bon, ça. Oh non, elle a toutes les bonnes choses. Oh, ne soyez pas jaloux. Regardez-moi plutôt faire des bulles. Oui, il est temps de remettre Emma à sa place. Maintenant, nous allons nous venger d'elle pour tout. Mais je ne peux rien voir. Quelqu'un fait éclater mon chewing-gum. Le rouge, toi bien, Emma. Wow, nos coups sont colorés. Bon, c'est parti, ça. Oh non, c'est un crabe. C'est tellement effrayant. J'ai peur de lui. Faut donc que je le remets en place. Au moins, tu sais ce que toi. Moi, je comprends pas du tout. Mais ça a l'air cool. Je peux déjà sentir les frites. C'est délicieux. Je peux enfin me rafraîchir. Vas-y, Miranda. Nous nous remettons à toi. Vous pouvez être très gentil parfois. Les frites sont si chauds, comme si ça était tout juste du four. J'adore. Je suis prête à manger toute l'assiette de suite.
Oh, c'est une chaussette en sucre. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est du fizz. Ah ouais, cela donne un goût encore meilleur à la sucette. Je veux plus de fizz. Oh, ce n'est pas juste. Tout le monde reçoit les goodies sauf moi. Et je dois manger ce crabe. Pourquoi le destin est-il si injuste? J'essayais de prendre une bouchée de la griffe. Comme c'est dur. Ah oui, j'ai une idée géniale. J'adore les frites. C'est la meilleure des friandises. Je veux encore et encore. C'est bizarre, oui, passer mon assiette. Je ne peux pas le sentir. Et moi, tu l'as pris? En fait, ce n'était pas moi, c'était mon crabe. Désolée, je ne l'ai pas pu l'arrêter. Arrête d'essayer d'arracher mes dents. Rends les frites. Je pense que le jeu se prépare. Je pense que ça va être amusant. D'accord, d'accord. Prends tes frites. Je vais essayer une autre bouchée de la bouchée au crabe. Qu'est-ce que tu fais? Je cuisine. Je ne vais pas manger cru cette fois-ci. C'est génial, ça. T'as bien réfléchi à tout. Oh non, je me suis brûlé le doigt. C'est si chaud. J'ai besoin de souffler. Heureusement que j'ai des pinces. Je peux facilement sortir le crabe d'eau. Oh, c'est parfumé. Je suis sûre que je vais adorer son goût. Eh ben, nous ne savions pas que tu pouvais cuisiner aussi bien. Je peux l'essayer? Non. Bien sûr que non. Je me demande même pas. Je fais ce crabe et je vais le manger. C'est un jeu équitable. C'est délicieux maintenant. Ouais, il y a beaucoup de crabes. C'est génial. Regarde ton nez. Ouvrons les couvercles. J'ai un beignet. Il est si délicieux. Et pour le dessert? Oui, une sucette. Génial. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un scorpion? Pas du tout. Oh, canne à sucre. Miranda, garde la ligne. Moi d'abord. Tu ne vois pas que je suis déjà en train de manger mon beignet? C'est doux et si génial. Je vais m'étouffer avec ma salive. Partage. Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as fait mordre mon doigt. Désolée, je vais t'aider. Tiens, mets un pansement. T'as l'enterré. Oh, un beignet? Il n'a jamais été aussi proche de moi. C'est si délicieux. Quel coup de chance. Je n'aurais jamais pensé. Oh, merci de m'aider. Mais où est passé le bébé? John, tu veux pas dire quelque chose? Même s'il est tard. Non, je ne veux rien entendre. Mange ta sale sucette. Qu'est-ce que tu fais, Emma? C'est trop. En fait, la sucette n'est pas aussi désagréable que je le pensais. Oh, comment tu peux manger ça? Oui, je ne peux pas le voir. Et moi, j'aime ça. C'est du caramel ordinaire et c'est délicieux. Oh non, je me suis trop emporté. Je crois que j'ai un scorpion dans la bouche. Quel cauchemar, emportez-le. Jette-le. Quelle prieur que tu nous as donnée. J'ai fini, maintenant toi, Miranda. J'adore, mais cela fait longtemps que j'ai envie d'essayer mes bonbons. C'était vert, donc il m'était destiné. Et ça, c'est rouge, alors c'est à moi. Bon, c'est tellement injuste. Prenez tous mes bonbons. Je vais devoir vous donner une leçon. Préparez-vous, bientôt vous aurez plus de bonbons que vous n'avez jamais vu dans vos vies. Qu'est-ce que tu fais, Miranda? Range l'inspire. Il ne fait pas. Savez-vous qui peuvent? Bonne chance. Et moi, je pense que nous devons attraper les bonbons avec nos bouches. Oh, je crois que nous n'avons plus de bonbons. Nous avons besoin d'autres. Les bonbons jaunes? Pas du tout. Je peux enfin les goûter. J'attends ce moment depuis si longtemps. Alors, comment s'était Miranda? T'as aimé? Oui, en fait, nos mains sont maintenant colorées. J'ai d'abord enlevé le couvercle. Wow, un obsangome! C'est tellement énorme et super! T'es une fille très chanceuse, félicitations! La marmelade de Bey m'a préférée. Il faut que je prenne une bouchée. Elle ne sortira pas. Je dois trouver quelque chose. J'ai une idée, je vois une fissure. Je devrais en profiter. Super! Maintenant, j'ai un énorme morceau de marmelade. Génial! Oui, la meilleure marmelade de tous les temps. J'ai besoin d'une recharge. Je suis prête à arracher le morceau à mes amis. La prochaine fois, fais attention. Oh, Emma, maintenant, t'es toute rouge.
C'est à toi de jouer. Oui, une montagne d'œufs. J'avoue que ce n'est pas du tout ce que je m'attendais voir. Oui, je ne peux pas m'empêcher pour le fait de ton appétit. Tu ne peux pas refuser, mange. Sinon, nous allons t'enfourcer. Pas du tout, je vais me débrouiller d'une manière ou d'une autre. Même si ça ne sera pas facile. Oh, c'est dégoûtant. Je ne peux pas l'avaler. Nous étions d'accord pour que tu manges tout. Laisse-moi t'aider. Maintenant, nous allons faire un lait de poule. Crois-moi, tu vas l'adorer. Prends un plus gros mixeur et casse tous les œufs. Comme ça. C'est très facile. Regarde comme je suis doué pour cela. Mais attention, John. Tous les coquillages volent vers moi. Je suis juste laissé emporter, ma. Eh bien, il est temps de donner un bon coup de fouet. Ouais, c'est fait. Oui, et on verse dans un ciboire. Oui, c'est la bombe. Ça ne me dérangerait pas d'en avoir un moi-même. Merci, John. C'est pas mal. Mais je pense que c'est pas bon du tout. Ouais. Non, en fait, c'est le goût des œufs crus. Pourquoi t'as tout craché en plein dans mon visage? J'espère que la nourriture m'aidera à le récupérer. Mais je ne pense pas. C'est des pois verts. Je ne les aime pas. Mange, John. T'as dit toi-même, ce sont les règles. Tu devrais au moins ouvrir un point pour commencer. Je n'ai pas à l'avoir. C'est facile. Regarde. Un, deux, et c'est fait. Merci beaucoup, Emma. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je ne mangerai probablement pas ces points dégoûtants. Ah, peut-être qu'il faut lui donner une chance. Ah ouais, ce n'est pas aussi grave que je pensais. Je peux manger tout le pot d'un coup. Je ne pensais pas que tu aimerais autant. Oui, c'est tout à fait comestible. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je crois que je vais avoir des gaz. Je suis désolée. Pourquoi t'as fait ça, John? On va s'étouffer. Je suis désolée, ça doit être la fin. Wow, Barbara a de la chance d'avoir un bol entier de popcorn. Il y en a moins, mais ça ne le dérange pas. Julie, par contre, n'a pas autant de chance. Un seul morceau. Julie commence. Je viens d'avoir une idée. Où sont mes pinces à épiler? Come on! Juste ce dont j'ai besoin. C'est vraiment rapide et délicieux. Oh, je suis le prochain. Je vais faire ce popcorn très vite. Tu n'as pas dit que tu travailles en tant que chef. Écrivez la recette. Nous prenons une poêle et y versons des grains de popcorn. On attend quelques minutes et on apprécie. Oh, quelle explosion! Les filles font attention! Dis que c'est une recette vraiment explosive. Oh. J'ai ma propre façon de faire du popcorn. Nous mélangeons du coca avec de la sauce tabasco et le donnons à boire à notre meilleur ami. Pourquoi c'est si chaud? Merci. C'est chaud, c'est chaud. C'est tellement bon. C'est beaucoup de dur la pour Barbara et Nick. Et jolie, il n'y en a qu'un seul. Super. Ah, perdante. Il ne faut pas que tu n'aies pas remarqué, Julie n'est pas d'humeur à faire des blagues. Alors, prends ça. Mais pourquoi te battre? Mais qu'est-ce que tu fais encore? Tu vas briser du ketchup sur ton oeil. Ouais, c'est affreux. Julie, tu peux manger mon oeil si tu veux. Quoi? C'est vraiment ton oeil? Oui, prends-le. Ah, éloignez-le de moi. Barbara, attention, t'as mangé l'oeil de Nick. Non, je vais te sauver. Attention. Une tasse de café le matin, c'est exactement ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est adoré. Ah, c'est des vrais rigolos. Maintenant, c'est mon tour. Tellement délicieux, je pourrais la manger pour toujours. Waouh, quel appétit. C'est mon tour. Je monte sur vous. Miam. Ah, Nick, t'as tout mangé d'un coup. Tu ne peux pas en partager avec les filles. Elles sont juste devant. Une seule pièce, s'il te plaît. Non, c'est à moi. Nick, tu ne peux pas manger autant de marmelade à la fois. C'est trop tard. Maintenant, tu peux voir toutes les filles qui font des passes. Je peux pas manger autant. Éloignez-les de moi. Juste une seule, je peux le supporter. Oh, qu'est-ce que c'est? Les gars, ressaisissez-vous. Vous pouvez le faire. J'ai commencé. Barbara, c'est une graine. Tu n'as pas besoin de la manger, tu dois la planter. Ah, ta
attention. Barbara, regarde où tu jettes ça. Ah, je vais le mettre ici. Vas-y. Come on! Pourquoi ne pousse-t-il pas? Barbara, tu dois attendre un peu. Laisse-lui le temps de grandir. Je commence en première. L'essentiel est de le manger rapidement pour que tu ne puisses pas le goûter. Oh, c'est dégoûtant. J'ai besoin de dominer ce goût affreux tout de suite. C'est ça. Tu la protèges. J'ai besoin de retirer ma fleur de toute urgence. Désolée. Tremblement de terre. Cachez-vous. Ne vous inquiétez pas, c'est juste la graine de Barbara. Barbara sent profondément son brocoli maintenant. C'est dégoûtant. Je déteste le brocoli. C'est horrible. Barbara, tu devrais laver ton visage. Et tu devrais manger ton brocoli. Non, pas le brocoli. Mais j'ai une idée pour m'en débarrasser. Regardez, il y a une pieuvre là-dedans. Julie, tu sais que les tricheurs seront punis tôt ou tard. Surtout que Nick en a déjà préparé un pour toi. C'était délicieux. Vas-y, serre-toi encore. Non, c'est dégoûtant. La prochaine fois, tu ne tricheras pas. Waouh, des frites. Tous les gars sont tellement excités. Après tout, c'est délicieux. Bien que non. Je l'ai un peu malchanceuse. Elle n'a qu'une petite frite. Quand c'est délicieux. Mais si peu. Je veux plus. Attends, c'est mon tour. Barbara, frite-moi quelques frites. Quoi? Au moins une frite, s'il te plaît. Bien sûr que oui. Voilà. Je t'ai cru. Tiens bon. Je t'en donne une. Oui, rendre le ketchup de Barbara terriblement épicé, c'est très cruel. Bien fait pour vous. Barbara, tu dois te détendre. Mais pas avec du ketchup. C'est mieux là. Ok. Ok. Ouais, c'est assez de ketchup pour moi. Survie tes frites ou il t'en restera plus. Quoi? Très savoureux. Merci. T'as mangé toutes mes frites. Tiens ça. Ne t'énerve pas. Tu feras plus attention la prochaine fois. Waouh, un gros paquet de Pringles. Quelle chance, Sonic. Et Barbara, une pyramide entière. C'est génial. Et Julie n'a qu'une seule. Et c'est si petit. Nous allons réparer cela maintenant. Ok. C'est mieux. Quoi? Ça ne s'ouvre pas. Fais attention, ne te casse pas les dents. Apparemment, tu n'auras pas de Pringles. Quoi? Une scie? Oui, et ça va être ouvert. Quoi? Regardez. Nick, vas-y, ouvre grand ta bouche. Enfin, j'adore. Fais attention, Nick, baisse-toi. Ah! Nick, tu vas bien? Apparemment, non. Et bon, c'est bon, je commence à manger mes délicieuses chips pour le moment. Waouh, Barbara, quel appétit. Fais attention où tu les jettes. C'est bon, ça. Est-ce que j'ai manqué, moi? Il ferait mieux de rester sous la table pour le moment. Barbara s'éclate ici. Oh, descends. Je ne vais pas tomber dans le bourneau une deuxième fois. Et non, Nick n'est pas préparé. What? Fais attention, travaux de construction en cours. Barbara tient mieux la tour. Ah! Que s'est-il passé? Oui, t'en as encore eu qu'une seule malchance. Non!
Contrairement à Nick. Elle a une assiette entière de Skittles. Waouh! Et Barbara en sait de toutes les couleurs. Oui, une seule est si petite. Waouh! J'ai une idée. Je suis pas sûre que ça va marcher, mais ça vaut le coup d'essayer. Come on! Waouh, c'est génial ça! C'est mieux. Awesome! Waouh! C'est délicieux! C'est juste super! Je suis prête à manger des Skittles pour toujours! Waouh, génial! Nick, c'est ton tour! Regardez comment je peux faire! Waouh! Des blancs de surprise! Tu devrais t'entraîner davantage. Oh non, mes Skittles. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus de Skittles. Je ne pense pas que Barbara aimerait ton idée. L'important, c'est qu'elle ne le remarque pas. Bah les pattes. Ouais. C'est tout à moi. Par quoi commencer? Non. Ah oui. Je n'arrive pas à me décider. C'est si difficile. J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va m'aider à choisir une couleur. Oh bon? Bien ici. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est bien. J'ai commencé avec lui. Ok. C'est délicieux. J'adore les Skittles. Je vais essayer toutes les saveurs d'un coup. Comme c'est délicieux. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est un bonbon Skittles géant. Waouh, comme il est énorme, il doit être incroyablement bon. C'est vraiment très bon. Oui, c'est avec une surprise. Les filles, les éléments, il y en a assez pour tout le monde. Waouh, le Twix, c'est délicieux. What? Ok. Les gars ont hâte de commencer le challenge. Moi d'abord. Peut-être plus prudente. J'ai une idée. Oh, j'ai pitié. Et attention, c'est sur le point de tout scier. C'est fait. Oups. C'est délicieux. Je pourrais le manger pour toujours. Julie, t'es tellement dégoûtant que tu dois te laver le visage tout de suite. Je la prochaine. Wow. T'as enlevé les emballages si rapidement, super. C'est délicieux. Mais il manque quelque chose. What? Du lait chaud. Juste ce qu'il faut. Wow. C'est un milkshake au chocolat. Cool. La combinaison parfaite. Awesome. Maintenant moi. Yeah. Wow, t'as un vrai mur de bâtons de Twix. Et maintenant je vais le reconstruire. Où sont mes matériaux de construction? De là, les choses qui sont fastidieuses. Je vais construire un vrai gratte-ciel. Tu n'aurais pas dû laisser les filles seules avec des baguettes Twix. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Non! Tu ne t'es pas blessé, Fanny? Je porte un casque.